This is a very proud occasion for Digicel, for Marriott International, for the Clinton Global Initiative, but most importantly for Haiti, as we open this fantastic world-class Marriott Hotel in Port-au-Prince. C'est une grosse fierté pour Digicel, pour Marriott International et puis tout pour Haïti, que je dis, on a inauguré officiellement Cochinchin Hotel Sahara, qui est là devant nous, son hôtel de classe internationale et qui vient de Chita, Port-au-Prince. I know lots of you are asking the question, what on earth is the telecoms company getting involved in the hotel business? The idea of investing in this new Marriott Hotel came from Haiti's great friend, President Clinton. Moi connais que gè an pile nan nou ki mande tèt yo, mais pour qui ça, compagnie télécom qui se Digicel, li rentre dans secteur hôtel là. L'idée ça pour nous investir dans nouveau hôtel Marriott dans Port-au-Prince là, eh bien li sorti dans yon grand ami Haïti qui c'est président Bill Clinton. Nobody in the international community has done more good for Haiti than President Clinton. Before the tragedy of the earthquake in 2010, President Clinton was active on all fronts trying to help Haiti. But since then, he has worked even more tirelessly to encourage investment in this great country. His guiding words to Marriott and ourselves on this project has been, let's do this together for Haiti. Dans parmi communauté internationale là, pas gain pièce moun qui fait plus d'efforts pour Haïti passé président Clinton. Avant tragédie 12 janvier qui t'a frappé Haïti en 2010, président Clinton t'a mené en pile combat pour aider Haïti. Mais après catastrophe là, Livin travaille plus toujours pour encourager investissement dans un magnifique pays noir. Conseil que te ba nous, m'a parlé de moi-même, Annie, avec l'autre équipe projet, c'était en nous reconstruit plus bien pour Haïti. Today is a celebration of what can be achieved when the right team comes together. By right people, I mean all of the 1,000 skilled Haitian construction workers, most of whom are represented here today. Thank you, you have made us very, very proud. Journée jodi, n'ap célébré ça qui capable réaliser lorsque en dedans yon équipe gen moun tout bon qui capable mettre tête ensemble. M'a parlé de plus que 1100 haïtiens yo qui te travaillent dans construction l'hôtel là et puis tout moun sa yo représenté ici là yo là jodi avec nous. N'ap di yo merci, n'ap di yo tout que gen en pile raison pour yo même tout yo senti yo fier. I would also like to acknowledge the outstanding contribution of several people and organizations. Thank you to President Martelly, Prime Minister Evans, former Prime Minister Laurent Lamothe, the development banks, both IFC and FMO, for their commitment to this project, Minister for Tourism Stephanie Vildroom, Niall Gagan for agreeing to become chairman of the hotel and working with the project team, Greg Milne from the Clinton Global Initiative for putting Marriott and Digicel together, and the architectural team led by Hugh Murray, which is the gentleman here. Congratulations. Kieran Ferrian, Nikki O'Donnell, and the project team led by John Milton, Des O'Brien, Aidan Chute, Francis McNulty, and Brian Groob. Our team here in Digicel, led by Martin Wheat, and special thanks to Richard Strapp, Aidan Killeen, Pat Claffey, and my friend Richard Boutou, who is head of the Haitian Tourism Association. Thank you, Richard. And finally, artist and curator Philippe Daudard. Nous voulons reconnaître
toute contribution exceptionnelle plusieurs autres monde ak organisation à projet ça. N'ap di merci, n'ap voye un gros coup de chapeau pour président Matéli, pour premier ministre Evans Paul avec pour ancien ministre premier ministre Laurent Lamotte. N'ap salué Banque Développement yo, n'ap parlé de SFI avec FMO pour engagement yo pour réussite projet. N'ap salué ministre touriste Stéphanie Villedouin pour tout support li bay à projet. Nous gagnons tout Neil Gregegan qui était accepté pour être président de l'hôtel là et puis qui travaille dans cette équipe projet à tout. Nous gagnons Greg Milne qui travaille dans CGI qui lui-même te réuni Mariotte avec Digicel pour réaliser le projet. L'équipe architecte là qui gagne en tête li Yu Murray, Siaran Ferian, Nicky O'Donnell et puis tout gagné là-dedans tout et puis tout qui gagné là-dedans John Milton, Des O'Brien, Aidan Tuit, Francis McNulty avec Brian Groub. Équipe panouan nan Digicel là nous saluer au bien bas. May I also thank Kier Construction, in particular Connor Smith, Steve Milner, and also the subcontractors, Umili Klima, Arquoteca, and Technica, and of course, the incredible Marriott operations team led by Andrew Houghton, Peter Antonoff, and also Ellen Wouters. Nous gagnons pour nous saluer en pilote moon, comme tout par exemple Richard Strappi, Aidan Killen avec Pat Claffy. Moi voulais dire un merci très spécial à Zami Richard Buteau qui c'est membre association touristique hôtelière d'Haïti. Nous saluer en pile artiste avec curateur Philippe Dodard. Nous gain équipe compagnie qui relais qui en construction qui gain la donne Connor Smith, Steve Milner avec sous-contracteur Umi Klima à côté avec Texina. It's up to all of us in the Clinton Global Initiative Haiti Action Network to encourage and reinforce the benefits of investing in Haiti for the long term. The opening of this Marriott Hotel will make great strides in highlighting what can be done and do it quickly. Not only will it solve the accommodation shortage in the city, it will also create 200 new jobs, attract tourists and business people, and communicate a positive outlook for the future of Haiti. Na tout moun pou nou salye et remercier, nou pa bliye Andrew Houghton, nou gen Peter Antonoff que nou pral rencontrer encore avec Ellen Wouters. C'est wòl nou, n'a parlé de initiative globale Clinton pour raison action Haïti. Pour nous encourager et puis tout pour nous renforcer avantage qui gagne pour investisseurs venir investir en Haïti. Ouverture hôtel Mariott là son grand pas qui montrait le monde entier qui ça qui a fait. Non seulement libéral aider nous augmenter quantité chambre l'hôtel qui était trop petit dans ville là, libéral créer tout plus passer 200 emplois. Libéral attirer touristes avec moun qui viennent faire business. Li pral bay yon image positive pays d'Haïti. All of us here know that Haiti is a great place for entrepreneurs to invest and do business. Haiti is a country open for business, and we would encourage other foreign investors to look at the investment opportunities, particularly in tourism, that are here today. Nous tout qui là jodi a, nous connaissons que Haïti est un bon côté pour les entrepreneurs venir investir et puis pour faire business. Haïti, c'est un pays qui ouvre pour business et nous encourageons tous les investisseurs directs étrangers pour venir garder l'opportunité que Haïti déjà offre. This has been the cornerstone of President Martelly and his government's vision for Haiti, which is supported so ably by President Clinton. To everyone here today, thank you again for your commitment and dedication to making this dream a reality. Thank you, President Martelly, for your encouragement.
guidance and help in getting the hotel built. We appreciate your support. Ça, c'est un pilier que président Matéli a gouvernement l'IA te mette campé pour Haïti et que président Clinton te supporté en pile. À tout le monde qui l'a aujourd'hui, n'a dit encore merci, merci en pile pour l'engagement que nous te prenons pour nous faire rêve ça venir en réalité. Merci président Matéli pour tout encouragement côté ba nous, pour conseil côté ba nous et puis tout pour aide ou te bail pour hôtel ça te arrivé construit. Nous vraiment apprécier support. Lastly, I would like to acknowledge the incredible contribution made by my good friends Arnie Sorensen and Kathleen Matthews. Without them as partners, we would not be here today. We could not have asked for better partners, and our teams have worked incredibly well together. And we look forward to the General Manager, Peter Antonoff, making a great success of this splendid new Marriott Hotel. Thank you very, very much. Avant de passer le micro à l'autre monde, je voulais reconnaître qu'aucune chaîne coup de main que bons amis moi ont été bail. Je parle de M. Harry Sorensen avec Kathleen Matthews parce que sans monde qui est partenaire nous dans le projet, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de jouer un plus bon partenaire. L'équipe nous travaille vraiment bien ensemble et puis tout, nous sommes content que M. Peter Antonoff, lui-même, lui c'est nouveau directeur général hôtel là, lui là pour nous aider nous gérer magnifique hôtel Marriott ça, et pour le venir un grand succès. Today is a day we waited for and we've been looking forward to for 4 years when Marriott International first envisioned a hotel here in Haiti. We could never imagine how extraordinary it would be to open our doors, welcome you, our guests, and to see the faces of our wonderful Haitian associates here today. Today, we're here to celebrate all the people that have made this day possible. Journée jodi son journée que n'attend depuis 4 ans. Les Marriott International premièrement décidé pour l'ouvrir un hôtel dans pays d'Haïti. Nous pas jamais qu'à imaginer qui Jean l'étape aussi extraordinaire pour nous l'ouvrir porte nous pour nous accueillir invités et pour nous voir visage associé haïtien nous yo journée aujourd'hui nous ici là pour nous permettre pour nous célébrer tout le monde qui permet que journée aujourd'hui vini en réalité. Let me begin with a greeting from our chairman, Bill Marriott, and CEO Arnie Sorensen. Arnie Sorensen today was literally in the air above Washington, D.C. when his plane had ran into mechanical issues and they had to land. He was here for the groundbreaking, and he wanted to be here today to see this magnificent hotel and to recognize our important partners. Premièrement, quittez que moi souhaitez-nous la bienvenue dans nos Président Bill Marriott et PDG Arne Sorensen journée aujourd'hui qui était déjà sous route pour le vin ici là matin de Washington DC les avions vin gain de petits problèmes mécaniques il était en route pour il était venu avec nous journée aujourd'hui mais il était déjà là pour premier coup de piqua qui te bail pour te construire l'hôtel. Et il te vle parmi nous journée aujourd'hui pour te wè bel l'hôtel ça et pour te remercier tout partenaire important nous yo. There are many people here today with us that we would like to thank. Gen pile moun ici là journée aujourd'hui que nous ta remè remercier. Let me start with our visionary owner Dennis O'Brien and his entire team at Digicel. Laissez-moi quitter commencer avec propriétaire l'hôtel visionnaire Dennis O'Brien et toute équipe qui avec lui dans Digicel. US President Bill Clinton and the team at the Clinton Foundation who worked closely with Digicel and Marriott to make this hotel a reality. Président américain Bill Clinton
et équipe Clinton Foundation qui travaillent main dans la main avec Digicel et Marriott pour permettre que l'hôtel ça tourne en réalité journée aujourd'hui. Haiti's President Michel Martelly, Haiti Prime Minister of Tourism Stephanie Viadon, and the Haitian Tourism Association and the leadership that they've given us to ensure that this hotel opens on time and the promise which they have all hoped for. Président haïtien Michel Martelly, ministre tourisme Stéphanie Vildouin et association touristique d'Haïti et tout ça que yo fait pour yo té assurer yo que l'hôtel t'a l'ouvrir l'aile de do l'ouvrien avec tout ça que nous te promettons que l'hôtel t'a pral délivrer. We are extremely proud to be here today. We are extremely proud to join the other hoteliers here in Haiti, and we hope to welcome more visitors to this extraordinary destination. C'est avec une grande fierté que n'a peut rejoindre tout l'autre hôtelier yo cap travail déjà ici dans l'hôtel. En pile nan yo joindre yo à nous-mêmes journée aujourd'hui et ensemble nous espérons que nous pas accueillir davantage visiteurs qui pral vinn destination extraordinaire ça. We would also like to take a moment to salute the other companies who have invested in Haiti and in this important project. Permettez-moi saluer l'autre compagnie qui investit en Haïti et dans projet ça. The Kier Construction Company and the 300 plus construction workers who brought this hotel to life. Avec plus passé 300 travailleurs de construction qui permettent l'hôtel à l'ouvrir journée aujourd'hui. The 200 new Marriott associates who yesterday welcomed our first guest. You are part of the foundation of Haiti's growing travel and tourism industry. Et permettez-moi remercier 200 membres personnels Marriott là qui dans journée hier recevoir premier monde qui a été dans l'hôtel là, premier invité nous yo et qui fait partie de fondation qui permettre que Haïti pral gain davantage de touristes qui pral vinn visiter pays. Steve Reynolds from LXJ, Golden Pacific, Toms, who supplied our hotel associates with shoes made here in the country, and we thank them for their generosity. And please kick up your feet and show everyone your shoes. Steve Reynolds de LXJ Golden Pacific, qui a travaillé pour Toms, et c'est eux-mêmes qui fait souliers qui fait dans le pays d'Haïti. M'a demandé tout employé l'hôtel Marriott là pour nous lever pied nous en l'air pour moun ka wè soulier nous yo. We want to acknowledge the countless others who've inspired our company in this endeavor. We have many Marriott associates including numerous Haitian American and several people here with us today who helped urge our company to rebuild Haiti after the devastating earthquake in 2010. Our executive chairman Bill Marriott and Arnie Sorensen listens. And that's why we're here today. Nous dit merci à toute quantité l'autre monde qui encouragé compagnie en démarche ça et à tout employé Marriott yo incluant en pile employé haïtien américain et en pile l'autre monde qui avec nous journée aujourd'hui. Nous encouragé compagnie pour yo aider reconstruire Haïti après tremblement de terre catastrophique de 2010 là. Président directeur général nous Bill Marriott et Anne Sorensen tendez appel hein, et c'est pour ça que journée aujourd'hui nous là avec nous. We want this hotel to be a hotel of opportunity. It is here to create hundreds of jobs and inspire future opportunities in this extraordinary country. And among that, we believe the suppliers will benefit from selling chicken, vegetable, coffee, and other businesses that will help benefit the tourism of Haiti. Nous voulons l'hôtel ça ouvrir tout le monde opportunité. Nous déjà employé plus passé 100 monde et nous ta remet créer davantage d'emplois et nous ta remet encourager opportunités futures dans pays extraordinaire ça.
ainsi que fournisseurs nou yo qui a vend nous poule, légumes, café et tout l'autre business qui pral bénéficier de l'industrie touristique en haïtien qui pral grandi. And as President Martelly rightly pointed out to me earlier today, this is more than a hotel. This is part of an economic engine that will propel Haiti towards the future. And on behalf of all of Marriott International, we are proud and excited to be part of Haiti's bright future. I will be brief. I first want to say that I am grateful that I have had the chance to try to help Haiti. And I want to thank the President, Prime Minister, and his predecessor, Prime Minister Lamothe, for making me feel welcome, to bring investors here, to bring opportunities here. In the last 2 days, I have visited 5 different projects that we have invested in that have created hundreds of jobs and smallholder farmers and women in rural areas selling consumer products and building new economic sectors in Haiti. It has been one of the great joys of my life, so I thank you for giving me the chance to do this. Mwen pa pale long, men mwen ta vle di nou koman mwen apresye opportunite sa ke Haiti, population la, dirijan yo, ma pale de président Martelly, ma pale de premier ministre, monsieur Paul, ma pale de ancien premier ministre Lamothe avec tout membre gouvernement, te permet mwen porter contribution mwen nan avancement pays sa. Nous pas qu'à imaginer ça ça représenter pour moi que nous te permettre moi by contribution. Hier, moi visité plusieurs projets. Moi quoi moi 5 projets hier. Et projet ça yo, c'est pas non seulement des gros projets qu'on trouve ici là, mais des petits projets qui permettent nous créer dans milieu urbain et dans milieu rural des activités qui généraient des centaines d'emplois. Et encore une fois, très humblement, moi remercier nous toutes que nous te permettent que ça te réalise dans vie PAM. I want to tell you something about Dennis O'Brien you may not know. Moi pral di nou un bagay qui concernait président Dennis O'Brien que peut-être nous pas connaît. In addition to putting up all the money to restore the iron market and financing this hotel and all the people who work for Digicel in Haiti, he also, as he said, heads up what we call the Haiti Action Network, which is a part of our foundation's global initiative. Quittez-moi parler un petit peu de Monsieur O'Brien. Non seulement il était metté cobla pour nous créer Digicel Haiti, pour nous faire en pile activité dans non Digicel jusqu'à hôtel ça que nous voyons qui jodi hein, qui va générer emploi, mais li c'est même yon groupe qui relè Action pour Haïti qui lui-même fait partie de groupe Fondation Clinton nan, qui voulait aider Haïti lever. If the members of that network keep the commitments they have already made over the next 3 years, collectively, they will invest more than $500 million in Haiti to help put people to work, keep children healthy, educate children, and create jobs. Si mam ki nan rezo Action pour Haïti a kembe parol yo, ça veut dire kembe promesse yo. Ça pral veut dire comme ça que sous 3 ans, groupe ça pral investi parce que plus que 500 millions de dollars dans le pays d'Haïti. Et ça, ça veut dire plus de travail, plus d'école, meilleure école, meilleure éducation pour la population haïtienne. Finally, I want to thank Marriott for more than the hotel, more than the jobs, more than the training, more than the income. I want to thank them for giving all you the chance to show the real Haiti to the world that will come to this hotel. If everyone knew this country the way Dennis and I do, your
incomes would be three times higher than they are. People would be flooding in here every day, and we wouldn't have half the problems we do. So I'm very grateful, and I think I speak, Madam Ambassador, for the American government. I'm proud of what was done here when my wife was Secretary of State and the continuing support that's been given here. But really, the gift Marriott has given us through you is the chance to show the real Haiti to the rest of the world. And I thank you for doing that. Au-delà de parler de questions d'investissement, d'hôtel, de marché en fait, de l'école, de la santé, gagnons bagay que projet ça que nous réaliser avec Digicel porter pour nous qui gagne plus valeur même que emploi y a créé. Pour nous, c'est une opportunité que yo bay nous toutes qui c'est membres famille Marriott là et famille Digicel là, opportunité pour nous chaque nous montrer qui ça Haïti capable belle capable fait. Et puis tout d'où espérer que nous toutes nous comprenons valeur contribution que nous bay à projet ça. Si plus moun te comprendre même gens avec monsieur O'Brien avec moi qui ça Haïti est, eh bien Haïti t'a obligé refuser touristes tellement nous t'a gen moun qui t'a vle vini découvrir pays ça. Et m'pa suspend tout remercier ambassadeur madame Pam qui l'a avec nous parce que son bon ami nous son bon ami Haïti l'était appuyé nous en pile en particulier lorsque madame moi était malade il était toujours bon côté nous et moi remercier lui pour tout support il est toujours ba nous et toujours accueilli nous comme nos amis. Thank you very much. Merci en pile. L'inauguration aujourd'hui de cet hôtel Marriott revêt à mon sens une double signification. D'une part, elle est la preuve tangible que la mise en synergie de différents partenaires internationaux et des associations acquis à la cause d'Haïti produit des résultats. D'autre part, elle est un signal fort à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui hésitent encore à investir dans l'hôtellerie et le tourisme en Haïti. La forte croissance enregistrée dans le secteur du tourisme de notre pays en 2014 montre que le Marriott et la Digicel ne se sont pas trompés en choisissant d'investir dans l'hôtellerie. Ils ont ainsi emboîté le pas à NH El Rancho Hotel, Best Western, Premier et Royal Oasis Occidental, sans évidemment oublier les chaînes d'hôtels nationales qui ont effectué d'importants investissements dans le secteur ces dernières années. Haïti est une place privilégiée du tourisme international qui a été, pour diverses raisons, négligée ces dernières décennies. Haïti est en train de recouvrer sa place, lentement mais sûrement. Les efforts déployés par notre administration depuis bientôt 4 ans commencent à porter leurs fruits. Le Marriott pourvoira plus de 200 emplois, s'approvisionnera sur le marché local et opte pour la politique environnementale responsable. Le choix d'implémenter cet hôtel à Turgeau est également un signe encourageant qui participe de la volonté du gouvernement de donner un nouveau souffle et une nouvelle image au centre-ville de Port-au-Prince, très affecté par le tremblement de terre du 12 janvier. Qu'il soit l'avant-coureur d'autres initiatives similaires de notre tourisme renaissant. Je ne saurais terminer ces propos sans adresser mes remerciements personnels et au nom du peuple haïtien à toutes celles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'aboutissement de ce projet. Mon remerciement spécial à président Bill Clinton qui, à travers différentes visites liées des visites répétées à Haïti, montrez-nous volonté pour l'accompagner nous sous voie développement en Haïti. À travers différents voyages liés, il montre que Haïti, c'est une destination. Haïti, c'est un pays qui gagne sécurité. Haïti, c'est un pays qui gagne opportunité. À M. O'Brien, Denis O'Brien, moi, je voulais dire félicitations pour l'entrepreneurship. Moi, je voulais remercier du fait que tu as choisi Haïti dans le contexte côté que en pile monde te peut Haïti. Je voulais remercier parce que à travers le travail, l'affaire, l'a aidé nous changer l'image d'Haïti à travers le monde. Fait Haïti
un côté que moun pa peut venir encore. M'a dit tout merci pour quantité emploi que l'a créé en Haïti parce que on parti d'un problème que n'a vive Haïti résulté du fait que manquer travail en Haïti. Je souhaite un succès continu dans le monde des affaires et m'a dit merci pour accompagnement à Haïti. À ministre Stéphanie Balmire m'a dit un gros coup de chapeau. M'a pas besoin faire éloge lui, c'est travail pays à l'a fait et travail lui. Mais je voulais parler de gens fait travail là, de savoir faire li et de rapidité à laquelle Haïti a pris plan par place li comme destination et dans monde touriste là. Une bagarre qui simple que l'a fait que n'importe qui exploite qu'a fait mais que nous pas de gens fait c'est que par exemple à partir de vendredi une campagne publicitaire qui a commencé dans grande chaîne yo à travers le monde entier côté pour montrer nous un bel Haïti pour nous attirer Haïti changer image là. Stéphanie bon bagaille. À ambassadeur américain m'a dit un gros merci. Jusqu'à hier soir 10h du soir nous tenons réunion côté n'a travaillé avec lui pour essayer identifier des fonds qui ca supporter des projets qui pour créer emploi. Nous commandé qui ça m'a dit la gain pour avec hôtel là mais pour hôtel là pour Haïti projeter image que vous voulez yo doit évoluer dans une ambiance de stabilité. Merci Pamela. Et à staff Marriott là. Moi j'ai tant identifié en pile dans staff là qui sorti de l'autre bord monde qui gagne expérience dans Marriott déjà. Me dit bienvenue la caillou. À nouveau ça parle comme ce travail là yo m'a dit nous que construction sont belle bagaille, édifice la belle, mais succès l'hôtel là dépend de performance nous. Donc, moi compter sur nous parce que à travers performance nous ca continuer voyer Haïti monter. Le on moun vinn là, senti la l'aise dans hôtel ça, li senti la l'aise en Haïti, so me compter sur nous. M'ta remet tout que nous pa wè travail là tant qu'on simple travail ou emploi. Gardez le tout tant qu'on opportunité parce que pendant que m'te chita en dedans avec monsieur O'Brien, avec premier ministre là, avec Craig Smith, yo t'a parlé de opportunité à côté que moun k'ap bien travaillé, moun k'ap bay bon rendement, y a pas assisté yo que c'est dans pays université pour yo que dans améliorer condition yo. Monsieur Greg et Craig Smith prend tête li comme exemple. Côté que l'on entre dans Marriott, il était entré dans secteur housekeeping nan. Et voilà que je dis à monsieur directeur régional pour Marriott. Donc yo promet que gen opportunité pour nous. Et finalement, je voulais rappeler investisseurs haïtiens que dans la logique développement, dans la logique permettre de créer emploi et monter des infrastructures pareilles à ça, et que l'État haïtien compte sur eux, puis ils font pareil, puis ils font même genre avec Denis O'Brien, puis ils font même genre avec d'autres haïtiens, par exemple, qui font Best Western. Non, nous voulons plus investisseurs haïtiens, quoi dans le pays, que l'autre bloc de l'eau, après de me dire, que en Haïti, quoi dans pays où vin investi pas tant demain. Finalement, m'a pas saluer ancien premier ministre Lamotte qui t'ai metté poil dans bataille là pour que projet ça été réalisé. Que cet hôtel visant l'excellence